5h58, ce jeudi 27 janvier sur LCI. Une personne manque à l'appel. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la coprésentatrice de la matinale, Hélène Manarino. La journaliste du groupe TF1 était pourtant bien présente à l'antenne la veille, mercredi 26 janvier, entourée de Stéphane Etcheverry et de leur bande. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, a débuté le co-matinalier, avant d'avoir une tendre attention pour sa collègue. On embrasse Hélène, on lui fait un petit coucou, lance-t-il, précisant que Hélène Manarino a été fauchée par un mauvais rhume. Elle va se relever, estime d'emblée Pascal Perry, ce que confirme Stéphane Etcheverry évoquant son caractère. Une rapide séquence que celui-ci a conclue en faisant part de son espoir de la retrouver bientôt. L'absence de Hélène Manarino devrait tout de même se prolonger au moins 4 jours supplémentaires. Et pour cause, le mauvais rhume auquel fait référence Stéphane Etcheverry est en réalité le coronavirus. Si est-il la principale intéressée qui l'a annoncé en story de son compte Instagram dans la nuit. Manarino Micron. Covid-1. Hélène, 0, a annoncé avec humour la journaliste, avant de conseiller à ses abonnés de prendre soin d'eux. Malgré les restrictions et vaccins, la pandémie semble avoir encore de beaux jours devant elle, même si Gabriel Attal a affirmé que celle-ci devrait reculer dans les semaines qui viennent. Près de 430 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Quand Hélène Manarino reviendra-t-elle à l'antenne? Quid d'Hélène Manarino? Dans le meilleur des cas, elle devrait pouvoir venir à l'antenne dès le mardi 1er février. Une date idéale pour Hélène Manarino. Et pour cause, ce jour-là, elle est censée endosser le rôle de maîtresse de cérémonie des trophées du film français, comme l'a annoncé TF1 qui est partenaire de cette remise de prix. Mais va-t-elle pouvoir tenir cet engagement? Si ses symptômes persistent après son 5e jour d'isolement, l'ancienne chroniqueuse d'Europe 1 devra tirer un trait sur sa participation. Loading Widget. Mmh.